On se retrouve pour le dernier vlog de cette escapade. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous aurez pu voir qu'on a eu franchement autant de moments de bonheur que de galères. Et surtout, je vous ai emmené voir des lieux vraiment bizarres, mystiques et un peu glauques. Bon, après tout, c'est l'Alsace, hein. Le pire, c'était vraiment la nuit de bivouac au-dessus de la grotte de Saint-Vie et bien sûr l'enquête paranormale. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On était parti de Strasbourg, on a visité vraiment la forêt, les alentours de Saverne. Là, je vous emmène voir un petit peu Saverne, la ville. Mais après, on va bien sûr repartir un petit peu en forêt. Non mais c'est juste magnifique en fait. Imagine, t'es là. Oui, c'est mon palais, je vais jouer avec mes copines dehors. Mais c'est magnifique en fait. C'est terrible, c'est magnifique, c'est trop trop beau. Et je vous le dis tout le temps, hein, visitez ça en octobre en vrai. C'est trop beau. En octobre, ça doit être parfait. Il y a un truc de fou ici. Je sais pas si c'est aussi impressionnant en fait en vidéo qu'en vrai, mais c'est beau, hein. Vraiment ça le fait, genre vraiment. Genre là tu viens, tu tournes un film de fou, imaginez les rubriques des Bridgerton. Ah, comment ça s'appelle cette série là, je l'adore. Bref, le truc de Bridgerton là, tu sais. Quand tu vois cette statue, j'ai encore des Harry Potter. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et bon, on va continuer. Allez. Non mais regardez-moi, on est dans Harry Potter ou pas, c'est pas possible. Tu mets de la brume, tu mets un grand lac là-bas, ça le fait, hein. Oh là là, mais c'est pas vrai, c'est la ville Harry Potter ici. Bon allez, c'est parti, on va essayer de visiter ça. Moi je veux visiter ça avec, avec des décorations de citrouille là, et de la brume, et ça c'est allumé là. Et imaginez la petite musique Harry Potter là. Oh là là. Non mais vraiment, il faut venir ici pour tourner des films les gens, c'est pas possible. Et moi j'entends le château du Rouen, j'entends les malheurs de Sophie en fait. Hein. Vraiment, c'est... Bon bah allez, on va voir. Hein. Imaginez un film d'horreur, imaginez c'est en urbex, un film d'horreur avec des potes qui vont visiter ça et tout. J'ai trop d'imagination moi, c'est pas possible. Je trouve ça trop beau. Très creepy en même temps. Il y a un petit côté cheval vintage de... Oh la place, c'est bizarre. Hein. Imaginez ça en action. Wow. J'aime trop. Allez, c'est parti, on y va. Allez voir. C'est trop beau. Oh là là. Oui, je sors de chez moi. Je vais faire une petite promenade. On prend l'air. Trop beau. Salle Marie-Antoinette. Tête de femme avec diadème. D'accord. C'est répugnant. T'approche pas. Ah, ça me dégoûte. C'est l'eau bar, c'est là où on était. Imaginez-vous dans les malheurs de Sophie comme ça, tu vois tes copines de l'autre bout, vous faites un chat, un chat là-dedans, courir se cacher dans toutes les pièces du château. Je vais aller visiter un truc, sur les photos ça fait très Harry Potter. Bon encore une fois on visite en plein soleil, c'est trop dommage mais je vous montre quand même. Tellement Harry Potter. Et mais je vous jure que si je reviens ici en automne, je prévois une tenue
tenue Harry Potter en fait. Ce lieu est juste incroyable. C'est un truc de malade mental. On va maintenant faire un petit tour en forêt pour voir le rocher du prince Saint-Charles. Apparemment, un rocher duquel il aurait sauté pour fuir ses ennemis. Voilà, on vient de par là où on est en train de monter. Le plus drôle, c'est que c'est le parcours le plus facile des 3 jours. Hein. Mais au bout de 3 jours, c'est... J'ai plus 31 ans, j'en ai 70, je sais pas. Je suis rincée. Le caméraman s'est cassé la gueule. Non, c'était juste pour montrer le calme du jeu. Genre, t'es là, tu sors de chez toi, t'as une plaine comme ça, tu vois direct la forêt. Quoi. T'entends. Bah, chez nous, on n'entend pas ça. Moi tu me dis tu peux louer à Wesh un truc comme ça, je suis aux anges en fait, c'est le rêve. Je vois pas en premier, regarde. Tu sais dans Harry Potter t'appuies sur les. Ouais, ouais. T'appuies sur les briques et il y a un chemin qui se fait. Bon là, tu vois. Peut-être qu'avant c'est un chemin accessible ça. Regarde. C'était... Tous les arbres sont démolis ici, t'es sûr? C'était un panneau bleu, hein. Il est pas là. On va déjà voir ça. Regarde, t'as des escaliers là. Mais... Enfin, on peut dire le tour. On va se casser la gueule ici. Hein. Je sais pas si c'est le bon chemin parce que là c'est un peu fastidieux. Ouais, je pense que c'est là, ouais. Ça c'est beau, hein. Prenons une minute pour admirer ce lieu là quand même. Bah, je crois qu'on a pris un vieux chemin qui n'est plus réhabilité, Alix. Mais non, fatalement ce n'est pas là. On a pris un chemin dangereux. Oh, viens voir. Regarde. C'est beau, hein. Bon, on a repris le chemin. Au moins, on avait vu le dessus d'un rocher, une petite passerelle. Donc voilà, on visait un peu tout. Et j'aperçois déjà de nouvelles rocailles un peu plus loin, là. Attends. Ah. Ce n'est pas du tout repos, hein. En fait, on dirait pas là quand je vous parle, mais tout mon corps est en biais, je sais pas comment expliquer. Le chemin est en biais. Donc je... Ça fait les abdos, mine de rien. Si c'est un cimetière, j'arrête tout et je fais une vidéo. Arrête. Bah parce que regarde, il y a un bruit de pierre. Ah, c'est la mort. Oui. Tu peux marcher par là, mais ça m'étonnerait que ce soit le chemin, en fait. Il y a que dalle. Eh ben, apparemment, on est allé complètement à l'opposé. Alors qu'on a suivi les pancartes, c'est complètement illogique. Mais décidément, dans ces vacances, on a eu nos lots de bonheur et d'aventure toujours, toujours frénétiquement qui se chevauchaient. Hein. C'est incroyable. Ah, merci Maps. Ouais. En fait, là, on avait une indication de continuer là, mais on peut aussi continuer là. Donc je comprends pas pourquoi là-bas, ça mène à rien, ça n'a aucun sens. Allez, on recommence. C'est pas comme si on n'avait pas l'habitude des détours de 15-20 minutes... Avec une canicule. Moi, ici, il fait bon dans la forêt. Franchement, en été, canicule, allez dans la forêt. Hein. Et ben, c'est éreintant. Voilà. Je dois prendre une douche. Ça se voit. Il faut se laver, là, à ce stade. Hein. Mais j'en peux plus. Moi, c'est des vacances ou c'est des séances de sport. En même temps, c'est génial parce que c'est l'excitation de découvrir un nouveau truc. Il y a encore des roches, là, partout autour. Puis en même temps, tu fais du sport à fond, quoi. Bon. Logiquement, on va pas trouver un plus grand rocher que celui-là. C'est là.
Il y a même des indications dessus. On arrive. Voilà, il y a dû sauter dans des bords de là-haut là. Ah, ça y est. On voit ce qu'on voulait absolument voir. Ah là, le bonheur, la récompense, on va pouvoir se poser là. Je vous emmène découvrir avec nous. Trop cool. Il y a même des gens qui ont laissé des fleurs ici. Mais qu'est-ce qu'ils ont les gens là? Regarde ça. Mais c'est de la merde. Qui est venu jusqu'ici pour écrire ça? Dis-moi. Je comprends pas. Oh, regarde cet endroit. Encore une fois, on trouve un endroit dans la nature avec une histoire vachement... Regarde, on trouve encore une grotte dans la nature avec des petits objets et tout. Enfin, je sais pas, c'est ouf quand même, hein, de trouver ça, je trouve. C'est assez dingue. C'est très très cool. Waouh, c'est trop bien. Bon, attends, avant de continuer à vous faire la visite... Moi, je vais me poser, je vais manger une petite pêche, je vais boire. Allez. Allez, on continue. Wouhou ! Allez ! Je suis allée dans un trou. Attends, c'est bon, on recommence. C'est vraiment une petite visite immersive que je vous fais là. Il n'y avait presque plus besoin d'y aller. Mais allez-y quand même. C'est très très cool. Hein. Même là, hein, tu viens, tu veux faire des vidéos et tout. Enfin, c'est vraiment des endroits parfaits. Tu veux te faire des vidéos à la Game of Thrones. Ouh, des trips projets de vidéos médiévales. Oh, encore beaucoup de montées. Ça a l'air moins pentu en vidéo. Mais ça l'est quand même. Ah, il y a déjà des premières marches ici en fait. Ok, donc on va commencer là. Mais c'est plus de la montée, c'est rentant. Trop de montagnes ces derniers jours. Ouais, le panneau dans le but vers là, on est peut-être en avoir ici. Bon, elle... Oh, regarde la vue vers là, regarde. Eh oui, ça ne s'arrête plus. Ah, voilà. On est venu de là, mais non, mais je pense qu'il faut aller là. Moi, j'ai pas vu les marques de fer de cheval qui étaient qui montraient par où exactement il a sauté. Bon, attends, si je trouve ça, je vous le filme. Bon, attendez, pour l'instant, j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais je vous montre juste cette petite vue. Comment mourir facilement sans barrière? Voilà, un petit aperçu. Il y a beaucoup de roches ici encore. Regarde-moi cette vue là, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est pas incroyable ça? Bon bah il n'y a pas de fer, hein. Voilà. C'est pas possible. Bon, pour l'instant on n'a pas trouvé, on va devoir redescendre. Je me dis que peut-être la mousse a recouvert un bout de rocher où il y avait les empreintes. Je ne sais pas. Mais on dirait un visage. Mais regardez. Un visage pas content. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça que je voulais vous montrer là. Je les ai pas trouvés. À mon avis, il y avait de la mousse dessus. Je sais pas. Je vous fais juste une dernière vidéo du lieu de loin. C'est quand même... Regardez ça. C'est quand même très très beau. Hein. Alors, donc voilà, nous on est monté là-bas en escalier. Donc là, il y a quoi? J'ai où? Je l'ai vu. Là. T'as vu Alix dans la pierre là-haut? À droite aussi. Bon, je sais pas si vous avez déjà essayé ça. On est dans une ville qu'on connaît pas. Il y a quasiment tous les restaurants qui sont fermés. Donc on teste une borne à pizza. Franchement, plus vite c'est prêt. Non, je passe mon tour. Je concours. Je ne veux pas gagner un truc, merci. Franchement, ça c'est assez. Moi qui suis pas fan de la. Fast food, enfin là pour le coup, il y avait des super avis en fait. Ça sent bon, hein. Elle est là. Trop bizarre, vas-y, prends-la. Montre. Mmh, mais putain, ça a l'air bon, hein.
trop bien. Allez vite, on y va. J'ai pris la moitié. Je suis juste claquée en fait. Un bleu vivant. Je suis vraiment pas mécontente de m'être forcée à faire pas mal d'épreuves physiques, mais... En fait, c'est vrai que c'est beaucoup sur 3 jours. Là, c'est la fin. C'est le grand jour du départ. J'aime vraiment beaucoup cette déco, il n'y a rien à faire. Et voilà, bah, c'est la fin. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment super comme vacances. On a eu vraiment un lot de galères et un lot de bonheur qui n'arrêtait pas de se chevaucher. Bon, ça, je vous l'avais déjà dit, mais c'est vraiment le constat final. Et bah, je suis très contente de faire plein de photos et vidéos. J'adore garder plein de souvenirs. Et là, c'est l'heure de faire les bagages. Voilà. Rouler de nouveau jusqu'à Saverne, prendre le train, tout ça. Allez, bye bye. Bah oui, c'est la fin des vacances. On est bien rentrés là.